chers amis, cette matinale de Tocsin se poursuit. Nous venons d'écouter Thierry Sénéclos, agriculteur. Et là, on va parler d'un tout autre sujet, mais finalement pas si éloigné que ça. Et j'ai le plaisir ce matin pour vous de recevoir Tom Benoît. Tom, comment allez-vous? Très bien, bonjour et merci de me recevoir. Ben c'est normal parce que alors nos, j'imagine que les téléspectateurs qui sont habitués à Twitter et des réseaux sociaux ont probablement, vous ont connu récemment parce que vous avez posé les questions qui dérangent à cette chère porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Rapidement, on ne va pas y passer l'émission là-dessus, mais on a senti que vos questions plutôt incisives et plutôt à propos ont mis la porte-parole du gouvernement dans un embarras assez prononcé, me semble-t-il. Oui, alors en réalité, bon, vous avez bien raison d'en parler, mais les questions ne sont même pas incisives, si je puis dire. Nous avons 3 000 milliards de dettes, avec une duration moyenne de 7 ans, et nous nous endettons sur les marchés à hauteur de 284 milliards pour l'année 2024, ce qui représente un record. On ne s'est jamais autant endetté que ce que nous allons nous endetter pour 2024. Et 52% de la dette française est détenue par des Français, 48% est à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut se poser la question aujourd'hui, qui détient la part extérieure de la dette française? Qui nous tient en quelque sorte? C'est ça la grande question. Parce que lorsqu'on émet des titres obligataires, ces titres peuvent être achetés par des privés, c'est très rare, vous avez très peu d'investisseurs privés aujourd'hui qui ont trop de liquidités et qui se disent « bon, je ne sais que faire de ma liquidité, je vais acheter ». Obligations d'État française, ou d'autres pays d'ailleurs. Vous avez des banques qui généralement font des packages et vous proposent d'acheter de la dette. Vous avez des compagnies d'assurance, des sociétés financières, non financières. Et depuis le début des années 2010, on a dans la zone euro la banque centrale qui joue son rôle de prêteur en dernier recours, qu'elle ne devrait pas jouer, si je puis dire. Ouais. Et qui le fait d'une façon de plus en plus... allez, détourner, c'est un peu... cavalier de le dire ainsi, mais qui le fait d'une façon de plus en plus normalisée. Elle a fait passer d'ailleurs un communiqué il n'y a pas longtemps en disant à la Banque Centrale Européenne qu'elle allait normaliser des pratiques non conventionnelles d'achat de titres à long terme. Donc normaliser des choses qui ne sont non conventionnelles, débrouillez-vous avec ça, j'ai envie de dire. C'est la porte ouverte à un champ des possibles qu'on connaît déjà, de surcroît, qui a déjà été pratiqué. Ça s'appelle quantitative easing. L'investissement quantitatif, et ça n'est rien d'autre qu'une injection de monnaie par la Banque Centrale elle-même, donc par la Banque Centrale de la France, puisque la Banque Centrale Européenne est la Banque Centrale émettrice de monnaie française, puisque nous n'avons plus de monnaie en France. Alors, Tom, on va continuer, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, notamment, essayiste, entrepreneur et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, bien entendu. Je vous invite à suivre Tom Benoît sur X et bien sûr ce Géostratégie Magazine, c'est toujours intéressant et je le disais en introduction, je vous ai appelé pour ça parce que cette question de la dette non souveraine, elle est centrale. D'ailleurs, je crois que Bercy a sorti un rapport qui est en libre accès, notamment dans un perdu dans un maelstrom de dossiers, vous avez notamment un graphique, un fromage où on se rend bien compte que la France est tenue par les marchés. Parce que Tom, ça veut dire quoi finalement que notre dette soit non souveraine? Ça veut dire que les gens nous tiennent un peu par la barbichette pour pas dire autre chose. Oui, bon, ben on va aller très directement dans le vif du sujet parce que je pense que c'est l'intérêt, c'est le but et c'est la trame également de votre matinale. En réalité, est-ce que la France peut être en défaut de paiement? La grande question, c'est ça. Est-ce que la France va arriver à un moment où on dira, bon, on ne peut plus payer, donc si on ne peut plus payer, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes un privé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, non, mais la dette privée n'a rien à voir avec la dette publique. La dette publique, si on est l'État, c'est un fromage. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous pouvez continuer, il n'y aura aucun problème. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des États qui sont allés à la faillite. On aime bien l'observer sur les autres, que ce soit sur les Chypriotes, quand on parle de la situation de la Grèce, ou quand on parlait du Portugal qui était en difficulté. Là, on s'aperçoit qu'il y a des difficultés. Le Sri Lanka, par exemple, ou le Pakistan, qui sont des pays qui sont totalement tenus par la Chine, qui usent de pratiques qui sont semblables aujourd'hui à celles dont usait le FMI il y a quelques années sur des pays d'Afrique notamment, c'est-à-dire qui se payent sur la bête littéralement, ça peut arriver à la France. Et on voit bien la petite musique qui est en train de se tramer aujourd'hui, c'est que bon, les recettes de l'État par la levée de l'imposition, ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que les sociétés sont tellement prises à la gorge que vous pouvez augmenter les barèmes, vous ne leur ferez pas faire plus de profits et donc payer plus d'impôts. Au contraire, vous allez les conduire à la faillite. Donc, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de liquidités qui vont entrer dans les caisses de l'État de cette façon-là. Par contre, vous avez 6 000 milliards d'épargne privée en France. Je crois que c'est 30 000 milliards d'épargne sur des comptes bancaires, donc
des titres, on va dire, qui peuvent être très rapidement liquides et de la liquidité en Europe et 6 000 en France. Vous avez un parc immobilier, je ne sais pas si on l'estime aujourd'hui, qui équivaut peut-être à 15 000 milliards, je dis ça, environ, voilà, par rapport au marché actuel. Et on voit bien que dans l'état d'esprit de l'édile politique, pas général, pas tous les partis politiques, mais qui est au pouvoir aujourd'hui, il y a une idée qui fait son chemin, qui est de se dire, mais cette épargne privée et cette liquidité, cet immobilier, il faut le mettre au service du bien public, de la transition écologique, du fonctionnement des institutions, des ministères, alors, il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, mais c'est pas tout, hein, les 60% de dépenses publiques par rapport à notre PIB, c'est-à-dire 1400 milliards, on a 2800 milliards de PIB, c'est pas l'Assemblée nationale, le Sénat, ni même les costumes du président de la République qui partent en avion privé, parce qu'on s'est fixé, on va dire, sur des petits débats qui n'en sont pas en réalité. Non, ce sont des institutions annexes que personne ne connaît et qu'on peut voir quand on prend le TGV, par exemple, ou quand on navigue en périphérie des grandes métropoles avec des bureaux gigantesques, des immeubles qui sont remplis de personnes qui, il faut le dire réellement, qui n'exercent aucune tâche, qui n'apportent rien à la création de richesses dans le pays. Et donc le gouvernement aujourd'hui se met dans l'idée, d'une façon ou d'une autre, de prendre l'argent là où il est. Et le grand danger, c'est pour ça que moi je vous dis, je me lève aujourd'hui pour dire non, ça, moi vivant, ça n'arrivera jamais, entre guillemets. Parce que ce qu'il faut que l'on fasse réellement, tous, journalistes, politiques, plus ou moins indépendants et profondément patriotes, souverainistes, républicains, presque chauvins en quelque sorte, défenseurs des libertés et de l'égalité comme outil mais pas comme finalité, c'est de dire défendons bec et ongles la propriété privée et l'intégrité physique et privée. Vous ne toucherez pas au patrimoine immobilier sous prétexte que certains en ont trop, vous ne toucherez pas à la liquidité sous prétexte que certaines et certains en ont trop, et vous ne toucherez pas non plus aux super-profits. Parce que les profits et les super-profits, les super-dividendes font partie de l'économie de marché. Et là, je m'adresse à, on va dire, une partie de la population qui est moins de mon bord, si je puis dire, mais qui va être plus à gauche en quelque sorte, des gens qui vont se dire « oui, non, mais il y a des riches qui ont trop d'argent », et je leur dis « je suis d'accord avec vous sur le principe ». Qu'on dise qu'il y ait des personnes qui aient trop d'argent, d'autres qui n'en aient pas assez, on est tous d'accord, et même les plus riches sont d'accord avec ça. Alors, ça n'est pas une question. Mais par contre, le fait de se dire, et de moins en moins à gauche, parce que maintenant c'est La République En Marche, c'est Renaissance qui tient ce discours, ben on va aller prendre l'argent des riches pour le mettre dans les caisses de l'État, du service public, et qu'il y ait une minorité de personnes qui décident de ce qu'est le bien commun, là je ne suis pas d'accord. Je crois qu'on est nombreux à ne pas être d'accord. Parce que si vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous ne créez pas un ruissellement de richesses pour ceux qui ont moins, vous créez une dévaluation de la valeur de la création de richesses et de l'épargne comme réserve d'énergie financière qui va faire que finalement, vous créez un nouvel impôt. Parce que s'il y a plus de dividendes, si on se met à taxer les super-profits, qu'est-ce qui se passe immédiatement ? Mais il faut quand même être un petit peu sérieux. Il n'y a plus une grosse société française qui va rester en France. Je veux dire, il faut. Mais comment des personnes qui sont manettes, qui sont au pouvoir, peuvent avoir des idées aussi, pas saugrenues, mais ridicules, aussi peu travaillées. Mais il ne faut rien connaître à l'économie, mais rien ne connaître à la philosophie. Même là, je ne convoque pas un économiste de droite. On a parlé d'Adam Smith ou des préceptes même du libéralisme et de la gestion de la société. On n'est pas seul au monde. Je veux dire, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a les Émirats Arabes Unis, qu'il y a les États-Unis qui fonctionnent toujours, qu'il y a la Chine malgré tout, qu'il y a ses 5 points de croissance, qu'il y a des banques même aux Pays-Bas qui sont quand même un petit peu plus protégées qu'en France, mais en tenant des discours tels, vous mettez la France au bord de la faillite. Parce que réellement, vous regardez le CAC 40 aujourd'hui, donc 40 sociétés, c'est comme les 7 sœurs aux États-Unis, vous avez 5 sociétés qui font 86% du chiffre d'affaires du CAC 40. Donc LVMH, Total, Air Liquide, il doit y avoir L'Oréal et je dirais Hermès. Ce ne sont pas les banques, hein, sont généralement des. Mais ces sociétés-là, si vous leur parlez de taxes sur les super-profits, bah, elles vont rester un petit moment, mais premièrement, elles vont trouver des solutions, des manœuvres fiscalistes et comptables pour détourner tout ça. Et petit à petit, elles vont partir, il n'y en aura plus une qui s'inscrira dans le territoire français, dans le panorama financier durant les années à venir. C'est ce que Mélanie a fait, d'ailleurs, elle a rétro-pédalé il y a 6 mois, cet été, quand Mélanie a dit « on va taxer les super-dividendes sur les banques ». Toutes les banques italiennes se sont effondrées. Il y a eu une baisse fulgurante du cours, forcément,
Parce que je veux dire, vous dites ça, mais ça n'avait pas été dit sur les banques françaises ou de néerlandaises. Ou, bah donc forcément, à ce moment-là, les banques italiennes chutent. Et aujourd'hui, quand vous avez Bruno Le Maire qui dit il y a 3 semaines, j'avais fait un tweet à ce propos justement, on a 30 000 milliards d'épargne en Europe, il faudrait que cette épargne puisse être réorientée, donc c'est flou. Au départ, on parle des intérêts, parce qu'on fait peur en disant l'épargne, comme ça tout le monde se lève en disant « quoi, vous allez nous piquer l'épargne ?» Et finalement, on explique « non, non, mais c'est pas l'épargne, on va réorienter les intérêts, comme on le fait sur le livret A, par exemple, pour le logement social, mais on va l'élargir à toute l'épargne pour la transition écologique européenne. » Et puis finalement, après, on se dit « non, mais il faut aussi utiliser un petit peu d'épargne. » Donc, premièrement, vous avez un ministre de l'économie français qui vous dit il faut user de l'épargne privée. Vous avez le même ministre de l'économie, j'ai rien contre Bruno Le Maire, je précise, je veux dire, je n'ai rien, si j'ai pas d'animosité à l'endroit de Bruno Le Maire, ce n'est pas la question. Là, je parle en tant que républicain pour le pays, ce n'est pas contre Bruno Le Maire. Mais je veux dire, un ministre de l'économie qui dit ça et qui signe une tribune ce mercredi, avant-hier, en disant dans Les Échos, je suis contre la taxation sur les super-profits. Donc, il y a 3 semaines, il nous dit qu'il est favorable à utiliser l'épargne. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est contre la taxation sur les super-profits, mais en même temps, son Premier ministre nous dit qu'il n'a pas de dogme sur la taxation sur les super-profits. Et la présidente de l'Assemblée nationale de son camp, Yvonne Pivet, contre laquelle je n'ai absolument rien également, je le précise, nous dit qu'elle elle est vraiment favorable à la taxation sur les super-profits. Mais le seul signal que vous avez envoyé au-delà de la cacophonie gouvernementale là, dans le micro-parti Renaissance, c'est que sur les marchés de l'extérieur, tout le monde le voit, mis à part dans les milieux parisiens, il n'y a plus un seul investisseur qui va arriver avec du cash et qui va le mettre dans une banque française. Il faudrait être fou pour avoir de la liquidité liblée en dehors de la zone euro ou même dans la zone euro et se dire « bon, ben, je vais ouvrir un compte dans un pays où le ministre de l'économie nous dit qu'on peut peut-être utiliser l'épargne et qu'on nous dit également que si on fait des super dividendes, bah, étant donné qu'on a bénéficié d'une configuration favorable, bah, finalement, les dividendes ne sont pas vraiment à nous. On a profité de l'économie de marché, mais l'économie de marché, c'est fini. » Voilà, je veux dire, Mais Tom, comment vous l'analysez, vous, quand vous avez, vous le dites, je l'ai lu pareil que vous, et c'est toujours intéressant, entre l'avis de Yael Braun-Pivet, de Gabriel Attal, et après on parlera de la taxation sur les rentes aussi, je trouve ça extrêmement intéressant, et de Bruno Le Maire. C'est de l'incompétence où ces gens se parlent pas, ou ils naviguent à vue? Est-ce qu'ils naviguent à vue? Parce que finalement, est-ce qu'on a des capitaines qui sont complètement aveugles, ou au moins myopes à la barre du bateau, quoi? Écoutez, de l'incompétence, je pourrais le penser, vous me le ferez pas dire. On n'a pas le droit de le dire, on ne peut pas, mais on se pose tous la question, évidemment. Quand on voit 5,5 points de déficit, je veux dire, l'année passée, moi, au mois d'avril, mai, j'ai fait passer des tribunes, et je peux citer d'autres personnes également avec lesquelles je suis en contact, et d'autres moins également que je connais moins, mais il y a Marc Toiti sur cette ligne, il y a Charles Sanat, il y a, j'ai moins de rapport avec Charles Gave, mais qui fait un très bon travail également dans ça, avec sa fille. On a été nombreux à parler de la situation budgétaire et à dire ce qui allait se passer quand même. Et ça, c'était il y a déjà une année. Et ça se produit aujourd'hui. Donc, je veux dire, effectivement, quand je vois certains représentants, certaines personnes qui sont aux manettes aujourd'hui, principalement chez Renaissance, et qui tombent des nues en disant « Ah, on a 5,5 points de déficit, on ne sait pas comment ça se fait, mais qui ne se posent pas la vraie question. » Et quand je leur pose, qu'ils ne veulent pas me répondre et qu'ils font l'impasse en disant « Non, non, ce n'est pas dramatique. » Oui, là, j'alerte en disant « Non, on ne peut pas laisser faire. » Parce que la vraie question aujourd'hui, c'est de se dire « Bon, ok, vous avez du déficit. » Prenez les Américains, par exemple. Ils ont, pas combien ils ont là, 6, 8 points de déficit, ils ont un déficit abyssal également. Mais vous prenez les entrées de capitaux à long terme aux États-Unis, et ça, il y a peu d'économistes qui le regardent, vous devez regarder la balance de base si vous voulez comprendre ça. Vous regardez les entrées de capitaux à long terme, et vous regardez le déficit. Et si on prend toute la zone euro, par exemple, au dernier trimestre 2023, nous, on avait noué avec l'excédent commercial, donc là, sur la balance commerciale, et on avait zéro d'entrée de capitaux à long terme par rapport à notre PIB. Les Américains, ils avaient 3 de déficit commercial, mais ils avaient 6 d'entrée de capitaux à long terme. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de déficit. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est de se dire, bon, si on a du déficit, mais qu'on est en capacité par rapport à la croissance privée, par rapport aux recettes de l'État, de le combler, ça ira. Par contre, si on n'est plus en capacité,
là, évidemment que le pays va être saisi et qu'on va se payer sur la bête et que les autres vont se payer sur la bête. Donc là, je parlais du déficit commercial précédent. Donc sur le déficit public, là, on a 5,5 de déficit public. Évidemment qu'il faut se poser la question de se dire, mais étant donné que les recettes de l'État ne sont pas au rendez-vous, là, aujourd'hui encore, on arrive à compenser ce déficit par rapport à l'émission de titres obligataires. Qui est-ce qui achète ces titres obligataires? C'est ça la vraie question. C'est de se dire jusqu'à présent, voilà. Tom, juste une définition rapide de titre obligataire, une nouvelle fois, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, Ouais, mais bien d'ailleurs, sûr, moi, c'est je de la maîtrise dette. très mal ça aussi. J'aimerais que vous expliquiez rapidement le titre obligataire pour qu'on comprenne bien. Bien sûr, bah, tout simplement, c'est les OAT, les obligations d'État. Le titre obligataire, c'est un titre qui est émis par le pays, par la France, et qui dit, voilà, vous me prêtez 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions à hauteur de 1, 2, 3%. Là, vous regardez le 10 ans français, par exemple. Lorsque je me suis entretenu avec Prisca Thévenot, par exemple, le 10 ans était à 2,8. Et on se disait, je lui pose la question, d'ailleurs, je lui dis, bon, là, je n'ai pas eu de réponse non plus, mais je veux dire, je lui demande, je lui dis, si on se met dans l'état d'esprit des marchés, est-ce que vous imaginez que les marchés se disent, bon, finalement, parce qu'on a observé que le 10 ans restait à 2,8. Il n'y a pas eu une. Au moment où on a fait l'annonce du déficit, c'est resté à 2,8. Mais il y a une inertie sur les marchés. Et là, vous regardez aujourd'hui, j'ai regardé hier soir, pas ce matin, mais il était déjà à 2,94. Donc, vous avez 0,13, 0,14 de plus en seulement une semaine. Donc là, on atteint les plus hauts. Et idem en Donc ça Allemagne. veut dire que concrètement, ça nous coûte plus cher d'emprunter finalement. On est d'accord, c'est tout Ça simplement ça. commence à nous coûter plus cher, mais je veux Ouais. dire, on a mis le doigt dans une machine infernale, si je puis dire, qui nous Ouais. fait réellement courir la catastrophe. Ouais. Parce que ce qu'on connaît aujourd'hui, regardez la situation turque, par exemple, moi, ça me fait bien sourire quand je vois des banquiers centraux, des ministres qui font encore des petits comptes sur des 0,2, des 0,3, et qui se disent, non, mais là, on est à zéro, là, le Ouais. déficit, effectivement, parce que vous regardez même les préceptes de l'Eurozone. Tous ces gens-là, hein, que ce soit Bruno Le Maire ou les autres, mais toute la Macronie en tout cas, ils sont à 100% européens et européistes, Oui. monétairement parlant également. Les préceptes de l'Eurozone, c'est qu'un pays ne doit pas dépasser 96% d'endettement. On est à 110, on est à 113 Ouais. par rapport à son PIB. Sinon, il est condamné à sortir immédiatement de la zone euro. Et il ne Ouais. doit pas dépasser 3 points de déficit. Oui, les Et fameux encore 3 quelques points. mois, on nous disait, non, mais il n'y a pas de problème, on sera à 4,9. Donc 4,9, c'est raisonnable, hein, c'est déjà 1,9 de plus que Ouais. ce qui est autorisé par les préceptes de l'Eurozone. Et finalement, on est à 5,5. Donc je veux dire, aujourd'hui, on voit bien qu'on a mis le doigt dans une situation, au-delà même des problèmes budgétaires, qui va devenir littéralement ingérable, parce que pour soutenir tous ces États, Ouais. sur le plan budgétaire, c'est la Banque centrale elle-même qui va être obligée d'éponger. Et si Ouais. c'est la Banque centrale elle-même qui se met à éponger, c'est la valeur de la monnaie qui va s'effondrer. Et là, ça va être très compliqué. Ouais. Finalement, est-ce que, et je reprends ce que disait Charles Gave, l'analyse qu'il portait, d'ailleurs, bonjour à Charles Gave, s'il nous regarde, il disait, la France, elle, dans 24 mois, elle passe plus, elle doit emprunter à peu près 300 milliards d'euros sur les marchés, ça passera plus. Est-ce que vous partagez cette analyse, Tom, vous, est-ce que finalement, est-ce Oui, qu'on va, on va évidemment. pas passer la barricade, comme on dit chez moi, et on va s'étaler comme des gros poudings, Mais c'est voilà. pour ça que j'alerte. Non, mais c'est pour ça que l'alerte que Ouais. je fais aujourd'hui, c'est de dire, et c'est ce que dit Charles Goff, je crois également, réduisez à 100% la dépense publique. Au moins, il faut arriver à 40% par rapport au PIB, parce que si vous ne faites pas ça, même si on ne peut plus s'endetter, les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui ne diront pas à ce moment-là, bon, ben, on ne peut plus s'endetter, on va réduire la dépense publique. Elles diront, on va saisir l'épargne et le Ben patrimoine privé. Donc c'est là qu'il faut se lever, je veux dire, c'est à ce moment-là qu'il faut dire, non, ne touchez pas à ça. En voilà. aucun cas, aujourd'hui, il faut absolument que le gouvernement soit transparent. C'est Marlex des Républicains qui a dénoncé un maquillage des comptes publics. Et Oui, un effectivement, budget insincère, mais effectivement, il y a un mensonge là-dessus. Il y a un mensonge voilà, patenté et il y a un honteux, gros bien manque de sûr. transparence. Donc la première des choses, moi, ce que je dis, j'ai réclamé pendant un long moment. Aujourd'hui, je somme le gouvernement de réaliser un audit en 3 semaines au maximum sur l'origine extérieure de notre dette. Ça veut dire que le gouvernement Macron, qui détient à la fois aujourd'hui le carnet de chèques, le pouvoir et la main également pour réaliser des audits, se Et doit 7 ans de évidemment. passif, Tom. Et 7 ans de passif. Et 7 ans de passif derrière. Absolument, absolument, parce que oui, alors il y a eu, mais ça remonte plus loin que ça, hein, parce que quand on parle Oui, justement, on dit oui, il y a eu oui. le Covid, le soutien aux Ouais. entreprises, les opérations de quantitative easing, ça a démarré sous l'ère Draghi en 2015. Hein. C'est l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire l'impression et l'injection massive de liquidités par la Banque centrale pour soutenir, parce que la Banque centrale, pour récapituler pour votre audience,
s'est mise à acheter sur le marché secondaire de la dette afin de maintenir à des taux raisonnables l'émission de dette nouvelle. Parce que si plus personne n'achetait cette dette, étant donné que les banques ne pouvaient pas le refaire, elles ne revenaient pas, il y avait une situation budgétaire compliquée, ça aurait fait largement grimper les taux. Donc c'est la Banque centrale, alors qu'elle s'était interdite au départ, en 1999, lorsque les traités de la BCE ont été signés, à acheter la dette des États membres. Et là, elle l'a fait sur les marchés secondaires. Donc, c'est-à-dire que sur le marché primaire, les banques pouvaient acheter de la dette, puisque on se disait, oui, mais quoi qu'il en soit, la Banque centrale va racheter sa dette. Et là, aujourd'hui, on va passer à une étape supplémentaire, c'est que la Banque centrale est dans une situation compliquée elle-même. Elle est obligée de faire maigrir son bilan, qui était monté quand même en seulement quelques années, de 2000 milliards à 8000 milliards. Alors là, le bilan a maigri de 2000 milliards, mais la BCE est obligée de prendre sur elle également. Donc, et d'ailleurs, vous savez, moi, je lis souvent les communiqués de la Banque centrale. Alors, je lis la presse également, je lis les échos, je lis les journaux, mais je lis les communiqués, parce qu'on apprend beaucoup plus, si on comprend un petit peu dans les communiqués, que ce soit des ministères, que dans les articles. Et la Banque centrale européenne a fait passer un communiqué, donc très récemment, il y a 2 semaines, en disant qu'elle allait abaisser, alors c'est un peu technique, mais je m'explique, de 50 à 15 points de base, l'écart qu'il y a entre ce qu'elle fait payer aux banques commerciales lorsque les banques commerciales obtiennent de la liquidité de la banque centrale et ce qu'elle rémunère aux banques commerciales lorsque les banques commerciales déposent de la liquidité sur leur compte à la banque centrale, puisque l'argent qui est au-delà des réserves obligatoires est rémunéré par la Banque centrale européenne. Et au premier abord, ça veut dire, pour résumer, qu'il va y avoir une aisance pour les banques commerciales à obtenir de la liquidité. Et là, vous vous dites, mais finalement, c'est très étonnant, parce que la remontée des taux abrupte depuis 2022, et on voit bien que la Banque Centrale Européenne, et même la Fed, mais la Banque Centrale Européenne qui suit toujours la Fed, bégaye un petit peu pour abaisser les taux, ça c'est plutôt pour empêcher d'irriguer trop le marché de liquidité. Donc la Banque Centrale Européenne prend une décision qui va faciliter l'accès à la liquidité pour les banques commerciales, alors qu'elle fait tout pour réduire l'injection de liquidité. Et là, si vous creusez un peu, vous vous apercevez que la Banque Centrale Européenne, discrètement, en septembre 2023, a décidé de ne plus rémunérer les réserves obligatoires. C'est-à-dire que auparavant, en 2022, elle avait déjà apporté une modification parce que les réserves obligatoires étaient rémunérées au taux principal de refinancement. Donc, ça veut dire que les 1% d'un panel d'actifs et de liquidités de crédit en cours des banques commerciales qui doivent être obligatoirement logés à la banque centrale ne sont plus rémunérés. Parce qu'une banque commerciale, vous prenez la BNP, vous additionnez tous ces crédits en cours des déposants et tout un panel de titres facilement liquides. La banque est obligée de déposer 1% de ce montant en réserve obligatoire sur son compte à la Banque Centrale Européenne. Ce 1% était rémunéré à hauteur du taux principal de refinancement, taux directeur principal, avant 2022. En 2022, ils l'ont modifié, ils se sont mis à rémunérer au taux de la facilité de dépôt. Et 2023, ils ont cessé de rémunérer les réserves obligatoires. Et aujourd'hui, on entend que la Banque Centrale nous dit on va faciliter, comme je le disais précédemment, l'accès à la liquidité, d'une part, pour les banques commerciales. Et pourtant, ce n'est pas la politique de la Banque centrale. Donc moi, je vous dis, attendez-vous à ce que durant les semaines et les mois à venir, la prochaine arme de la Banque centrale pour agir sur les marchés, c'est légitime, je suis étonné qu'elle ne l'ait pas fait même auparavant, ce soit de remonter de façon catégorique le montant des réserves obligatoires. Et je vous prédis une remontée à 2% fulgurante dans un avenir très proche, durant les mois à venir, après septembre, une fois que la mesure sera mise en place, donc d'ici la fin de l'année, des réserves obligatoires des banques. Ça veut dire que ce que est en train de faire... Et concrètement, pour les citoyens, Tom, qu'est-ce que ça peut engager aujourd'hui? Ce que ça peut engager, c'est que finalement, aujourd'hui, dès lors qu'on injecte de la liquidité, elle ne se retrouve plus du tout pour alimenter les agents économiques, mais elle se retrouve pour alimenter des banques qui doivent remonter leurs réserves obligatoires, qui doivent acheter des titres obligataires, donc de la dette des États, pour soutenir les politiques budgétaires, mais qui ne sont plus en mesure d'accorder des crédits à la population. Le rôle de la banque, je veux dire, c'est quand même la réalité. Il y a un privilège. C'est Maurice Allais qui le disait très bien, qui disait « Je compare l'émission de monnaie par les banques commerciales à l'impression par les faux monnayeurs. » Et les banques commerciales, je cite Maurice Allais, qui n'était pas...
d'escroc, si je puis dire, ouais, qui a quand même pensé la monnaie d'une façon assez efficiente. Et c'était très juste. Et la réalité, c'est que ça n'était plus faux. Pour quelle raison ? Parce que c'était un privilège qui était accordé aux banques commerciales. Et aujourd'hui, la banque centrale, c'est-à-dire les pouvoirs publics, puisque la banque centrale n'est pas indépendante, ce n'est pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, la personne qui gère la Banque centrale européenne aujourd'hui, c'est Christine Lagarde. Là aussi, je n'ai rien contre Christine Lagarde, mais elle était ministre des Finances précédemment. Oui, donc, ce sont les pouvoirs publics. Ouais. Voilà, c'est pas une opéra, c'est pas une organisation sacrée et parfaitement indépendante. Et cette banque centrale aujourd'hui, les banques centrales du monde occidental principalement, sont en train de reprendre le pouvoir de l'émission monétaire et de la distribution de la richesse. Ça veut dire que le système monétaire, qui est une unité de mesure, qui est un système qui permet de mesurer la richesse, malheureusement aujourd'hui, est faussé à la base. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, le système d'unité de mesure est faussé. C'est le maître qu'on a faussé. C'est l'émission. Ouais. C'est directement l'émission. Parce que la valeur de l'argent doit être égale, malheureusement, j'ai envie de dire, mais c'est ce qui fait justement la dimension sacrée de la monnaie, pour un trafiquant de drogue qui va vendre du shit. Et en plus, moi, je peux le dire, parce que je suis opposé même à la légalisation du cannabis. Vous voyez, et je veux dire, qui va vendre du shit en bas d'un immeuble que pour une société qui va travailler avec les pouvoirs publics. Ouais. C'est ce qui fait la dimension sacrée de l'argent. C'est ce qui fait qu'on peut mesurer la richesse avec de l'argent. Or, si vous avez une banque centrale qui vous dit « on va faire des taux très bas », c'était les LTRO qui ont suivi le quantitative easing, justement, pour que les banques commerciales puissent acheter prétendument au départ de la liquidité pour obtenir, pour distribuer des crédits et finalement pour acheter des obligations d'État à nouveau et financer le déficit public, le quantitative easing pour financer le déficit public, on va favoriser des émissions de titres obligataires dits verts pour financer une transition écologique. Ah oui, la fameuse transition écologique. Pas l'écologie, hein, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est très drôle, mais on a l'impression qu'il y a une catégorie de politique qui attend le moment où la transition sera faite. On dirait que le monde va devenir écologique. Il n'a jamais été aussi contre-écologique. Voilà. Ouais. Mais ils sont en période de transition. Alors ça, c'est très à la mode, les transitions. On voit bien aujourd'hui que ça a un énorme succès. Et il y a un moment où ça y est, c'est fait. La transition écologique est faite. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire naturellement? Il faut servir de l'argent des autres. Voilà. La vraie question... Là-dessus, parce que je sais que le temps file et que on entend limiter, trois minutes là-dessus, je voulais qu'on en parle en fin d'émission et c'est ma dernière question. Finalement, est-ce que vous diriez comme Charles Gave, je suis désolé de revenir à Charles Gave, mais je le suivais là-dessus et j'aimerais avoir votre avis. Ils vont vous faire les poches. Voilà, ils sont en train de vous faire les poches. Qu'est-ce que ça comprend pour les épargnants, pour le citoyen français qui a 3 sous espagnols, 3,5 copecs derrière qu'il a mis sur son livret A, finalement, ces gens vont venir piquer dans les caisses des Français, vont venir faire les poches des Français, c'est ma dernière question. Non, évidemment, mais je veux dire, là, c'est un devoir républicain. Voilà, moi, je suis journaliste, patron de presse parfaitement indépendant. J'ai un associé qui s'appelle Robert Laffont, qui est un entrepreneur de la première heure, qui a créé le groupe Entreprendre. On distribue, grâce au MLP, notre magazine. On a une ligne qui est libérale et républicaine, et on se doit, si je puis dire, de dire la vérité. Oui, effectivement, on va faire les poches des Français, mais même le gouvernement ne le cache pas, dit on peut se servir de l'épargne. Ça va se passer, Tom, concrètement? J'ai tant d'argent sur mon livret, comment ça va se passer? C'est ça que concrètement on a envie de savoir, parce que Gabriel Attal a déclaré il y a 2 jours qu'il n'excluait pas, d'ici le mois de juin, il a nommé Nadia Hay, ancienne ministre du Logement, que je connais bien par ailleurs, étonnamment, pour constituer une commission pour étudier une taxe sur les rentes. Alors, une taxe sur les rentes, il faudra me dire ce que ça signifie, parce que les rentes, je veux dire, c'est très flou. Voilà, quand on parle de dividendes, à la rigueur, de recettes, mais les rentes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on est prêt à tout. On va créer des impôts là où il y a de l'argent. Jusqu'à présent, il y avait des impôts là où il y en avait. Ils vont rester, mais il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire que les sociétés, comme je disais précédemment, elles font tellement peu de chiffres, les ETI, il y en a beaucoup qui vont partir. On pourrait monter l'imposition, ça ne passera pas. Par contre, on va se dire finalement, parce qu'on parle beaucoup des super profits, mais j'imagine bien le gouvernement arriver dans quelques mois en disant « Attendez, le propriétaire qui a un immeuble et 5 appartements à côté et qui se fait 15 000 euros par mois de loyer, vous ne trouvez pas ça indécent ? Bon, on va lui créer une flat tax là-dessus et on va le taxer là-dessus. » Et le propriétaire également qui a entre, on va dire, plus de 10 millions de patrimoine immobilier, qui a des maisons à Saint-Tropez, à droite à gauche,
Lui, il n'est pas dans la catégorie des super profits ou des super dividendes, hein, parce que quand vous entendez le gouvernement actuellement, les super dividendes, c'est Total, LVMH, ils tapent dessus. Mais vous prenez même cette catégorie, ben, ils ne seront pas à l'abri. Et on va leur dire, non, mais vous avez 15 millions de patrimoine, on va vous augmenter l'impôt sur la fortune immobilière, qui est payé d'ailleurs par des concitoyens qui ont un patrimoine, c'est un scandale absolu qui dépasse seulement 1,5 million aujourd'hui, avec la bulle immobilière, mais vous avez pléthore de propriétaires français qui sont pris à la gorge et qui payent un impôt sur la fortune immobilière avec du cash, c'est-à-dire avec des euros, alors qu'ils ont à peine 2-3 millions estimés sur leurs biens immobiliers. C'est oui, parce que c'est estimé, ouais. Voilà, qui coûtaient bien souvent 4 ou 5 fois moins il y a 20 ans, parce qu'il y a eu une explosion du prix de l'immobilier, idem sur les frais de succession. Donc le gouvernement va mettre en place, plausiblement, des impôts de plus en plus assassins, là où il y a de l'argent, c'est-à-dire sur l'épargne, sur le patrimoine immobilier, et en France, essentiellement, ce sera sur l'épargne et sur le patrimoine immobilier. Ouais. Je veux dire, personnellement, et c'est un conseil que je donne, si vous avez de la liquidité aujourd'hui sur des comptes au-delà de quelques centaines de milliers d'euros, intéressez-vous aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, un peu à la Suisse encore à la rigueur, parce que ça tiendra plus longtemps, mais ne laissez pas 6 millions sur un compte à la Société Générale, voilà. Ouais, ben non, mais c'est fou, parce que j'ai l'impression qu'on est sorti, on est dans une insécurité bancaire totale maintenant. On est taxé en permanence. Je trouve que c'est dramatique. C'est une régression sans précédent. Je ne suis pas économiste, mais c'est mon ressenti, Tom. Hein. Mais c'est une régression parce que la petite élite qui nous dirige aujourd'hui ne se rend pas compte qu'elle nous fait courir la catastrophe parce qu'elle envoie les signaux à tout le reste du monde on n'est plus en République libérale. On n'est plus dans une République où c'est l'économie de marché qui dirige le marché, où c'est la monnaie qui dirige l'unité de valeur. On est dans une République où il y a un pouvoir de décision sur la monnaie et qu'on peut décider que la monnaie vaut moins ou vaut plus en fonction de ce pour quoi elle sera estimée, ce qui n'a jamais été le cas. Et sur la liberté aussi de gagner sa vie, la liberté d'entreprendre, la liberté d'essayer de faire un peu ce qu'on veut de son patrimoine, semble-t-il. Ça pose une question au-delà de l'économie, au-delà monétaire, ça pose une vraie, vous en parliez tout à l'heure, mais presque de philosophie aujourd'hui. Oui, ben par rapport à l'évolution de la société. Mais est-ce que vous dites juste, parce que c'est une question d'évolution citoyenne. Après, comme je dis, l'économie, ça n'existe pas. L'économie, c'est une unité de mesure. L'économie, c'est ce qu'on fait de ce qu'a fait la société et de ce que les êtres qui évoluent dans cette société ont fait. C'est ça la grande question. Et après, ça devient l'économie. Mais à partir du moment où on la fausse, ça n'est même plus de l'économie, c'est de la supercherie, comme je dis régulièrement, c'est pas du libéralisme, c'est de la supercherie, le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est plus du libéralisme. Le principe du libéralisme, qui a ses défauts également, qui a ses travers, c'est un principe qui fait que il va se passer des choses atroces, mais que, étant donné qu'elles se seront passées pour des raisons qui relèvent de la logique et du bon sens, elles seront autorégulées. Et aujourd'hui, ça n'est plus la régulation naturelle des choses qui dirige la société, c'est la décision, et qui plus est de personnes qui ont un niveau intellectuel très bas, malheureusement, parce que le double drame, c'est ça, c'est que si on avait une aristocratie qui réellement prennent les rênes avec des attitudes très dictatoriales, mais qui soient largement supérieures à la population, on se dirait, bon, ben, quoi qu'il en soit, ils n'ont pas pris toutes les mauvaises décisions. Mais là, aujourd'hui, quand on voit le niveau, effectivement, je ne cite pas de nom, mais de nombreuses personnes qui sont au pouvoir, il y a de quoi être doublement effrayé. Il faut quand même noter que certains membres du gouvernement appellent Bruno Le Maire « Bruno le bulot ». Moi, je le dis quand même. Non, mais il faut être clair avec ça. Non, mais même la cacophonie à l'Assemblée nationale, quand je vois des députés faire des sketchs, se filmer en faisant des petits sketchs humoristiques, taper sur leur cahier, c'est pas possible. On peut pas être gouverné par ces gens-là. Il faut mettre fin à ce système-là. Il faut se lever. Il faut réellement se lever. Mais je veux dire, c'est pas les gens de gauche, de droite, ou je veux dire, c'est la population qui est constituée de toutes celles et ceux qui ont du patrimoine, qui veulent que la France évolue, et de ceux qui n'ont rien et qui se disent « nous, on veut obtenir par la suite et on veut que nos enfants puissent vivre également dans un monde qui continue à aller vers de la prospérité. Et il faut qu'on reprenne le pouvoir, il faut qu'on reprenne les rênes. On ne peut pas laisser le pays aller à la catastrophe, ce n'est pas possible. » Mais en tout cas, merci de votre analyse, cher Tom Menon. Merci d'être venu ce matin pour votre franc-parler. Merci à vous, je vous en prie, bien sûr.
Ah ben avec plaisir, voilà, faites partie des personnalités qu'on aime recevoir dans Tocsin, bien entendu, c'est la première fois que vous veniez, et vous reviendrez, bien entendu, vous êtes essayiste et entrepreneur, et également directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, chers amis. Allez, distribué en kiosque partout en France, et vous me suivez sur X, pour ceux qui veulent me suivre, où je suis le plus actif. Ouais, merci à vous. N'hésitez pas à revoir. Ben, merci beaucoup et n'hésitez pas à revoir bien sûr les questions dérangeantes qui ne sont pas dérangeantes, vous avez bien fait de le dire, à Prisca Thévenot, à Bruno Le Maire. C'est toujours bien d'avoir des gens qui s'affrontent au moins sur les idées et sur les prévisions économiques et sur la réalité économique de des gens qui nous gouvernent. Merci beaucoup Tom d'être venu ce matin dans la matinale Tocsin. Merci beaucoup à vous et excellente journée, excellent week-end à vous. Merci, bonne journée à vous et bonne journée à tous.